Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série L'œuvre du destin, diffusée sur Zimagique. Maïra va revenir pour exposer Prithvi et Sherline devant tout le monde. Prita va également devenir enceinte. Avant de commencer, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagicinfo plus ou zimagicactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prithvi disait à Sherline que personne ne peut les dénoncer si ce n'est eux-mêmes. Les deux entendent leur mère se disputer. Ils vont là et essaient de les calmer. La mère de Prithvi parle méchamment à Cherline. Elle lui dit qu'elle est heureuse que son fils épouse Critica au lieu de Cherline. Cherline se fâche. Elle menace d'arrêter le mariage et elle essaie de quitter cette pièce. Prithvi lui demande pourquoi elle agit ainsi. Elle a elle-même demandé à la famille d'organiser son mariage. Maintenant, elle essaie de tout annuler. Cherline lui demande de dire à sa mère qu'elle doit lui présenter des excuses. La mère de Pridvi refuse. Cherline décide de partir avec colère. Karina entend des bruits. Elle entre là et leur demande ce qui se passe. Cherline dit à Karina qu'elle pense que Pridvi ne doit pas se marier avec Kritika. La maman de Pridvi s'excuse directement à Cherline. Karina leur dit qu'elle ne comprend rien. Sanjana et Pridvi lui donnent des excuses bidons. Et elle s'en va de là avec Cherline et Prithvi. La maman de Cherline dit à celle de Prithvi que si elle essaie une fois de plus, Cherline ne va pas la pardonner. prita de l'autre côté demande au prêtre ce qui lui manque. Le prêtre lui parle d'un certain truc. Elle se lève et décide de la porter. Grand-mère sourit en la voyant. Karina demande à grand-mère pourquoi elle sourit. Grand-mère lui dit que prita et Karan ont promis un bébé à Raki. Karina devient aussi heureux. Karan descend là. Il commence à discuter avec Richab. Prita là où elle était, elle glisse et essaie de tomber. Karan court vers lui pour la sauver. Grand-mère dit à Richab que les deux sont romantiques. Richab est étonné. Elle demande à grand-mère si elle parle ainsi depuis quand. Prita pardonne au prêtre le truc qui manquait et elle demande à Karan d'aller convaincre Raki et Mahesh pour qu'ils viennent assister à la réception. Les deux sont totalement tristes. Shrishti de son côté est avec Samir dans une certaine pièce. Shrishti demande à Samir s'il va l'aider pour arrêter ce mariage. Samir lui dit que non. Shrishti lui demande s'il n'aime pas Kritika et sa famille. Samir lui dit qu'au premier mariage, celui de Akshay, Prita avait toutes les preuves mais personne ne lui avait cru, et cela avait créé des problèmes. Il ne veut pas que ça arrive de nouveau. Shrishti se dit qu'elle doit obtenir ce qu'elle veut d'une autre manière. Celle-ci ne marche pas vraiment. Richab et Karan vont là où se trouvent Mahesh et Raki. Ils leur demandent de venir au mariage. Ça ne sera pas bon sans eux. Mahesh leur dit qu'il n'a pas envie de s'amuser. Ils viendront juste au moment des bénédictions. Richab insiste qu'ils viennent, en lui disant que leur présence est indispensable. Kritika aussi vient là à l'intérieur. Shrishti de son côté dit à Karan qu'elle s'est tordue la jambe quand elle faisait quelque chose, elle voudrait qu'il l'accompagne à l'hôpital où Sherline était partie. Samir accepte, Shrichti se dit qu'elle va interroger le docteur Roshni sur Prithvi et Sherline, cela va permettre à Samir de découvrir la vérité pour arrêter ce mariage. Kritika de son côté dit à Mahesh et Raki qu'elle les a toujours considérés comme ses propres parents, elle veut voir son père et sa mère assister à chaque cérémonie de son mariage. Mahesh lui demande de ne pas trop parler, ils viennent là tous les deux. Richab et Karan disent que Kritika a juste dit quelques mots et ils ont accepté, mais quand ils sont venus, ils ont refusé. Kritika dit que tout le mérite revient à Prita, c'est elle qui vient de lui demander de venir ici pour les convaincre de descendre, car elle était inquiète pour ça. De l'autre côté, Karina demande à Prita de faire descendre Kritika, elle demande ensuite où se trouvent Raki et Mahesh. Tout le monde est heureux quand ils voient Mahesh, Raki, Karan et Rishab descendent avec Kritika, et Kritika part s'asseoir à l'hôtel. Sarla de son côté demande à Janki d'appeler Shrishti. Shrishti de son côté arrive avec Samir à l'hôpital, elle dit à l'intérieur qu'elle veut voir le docteur Roshni. On lui dit que le docteur Roshni ne s'occupe que des femmes enceintes, Shrishti fait semblant d'être une femme enceinte et ça la complique. Elle reçoit un appel de Janki qui lui demande où elle est. Chez les Loutras, la cérémonie du mariage de Kritika et Prithvi commence, Maïra vient là. Sherline voit Maïra et l'emmène dans une certaine pièce. Karina et la mère de Prithvi les voient, elle décide de les suivre. À l'hôpital, Samir demande à Shrishti qu'il a appelé, Shrishti lui dit que c'est Jan qui. Il lui demande qui était son petit ami, Shrishti se lève pour aller vers le docteur Roshni. Samir demande de nouveau qui est le père de son enfant. Shrishti lui dit que c'est Prithvi. Samir est totalement choqué, Prithvi le tire et lui demande de venir vite. Sarla de son côté demande à Janki où se trouve Shrishti, Janki lui manque à aller dehors, elle va entrer. Sherline de l'autre côté demande à Mahira ce qu'elle fait ici, après avoir tué son enfant. Mahira lui dit qu'ils ont ruiné sa vie, elle est aussi venue pour ruiner leur vie. Elle pousse Sherline et elle tombe. Elle démarre l'enregistrement et elle place son téléphone sous le lit. Sherline se lève et la mère de Prithvi arrive là. Mahira dit à la mère de Prithvi que Sherline était et elle est toujours en couple avec Prithvi. La mère de Prithvi lui dit qu'elle connaît cela depuis longtemps, elle doit juste partir d'ici. Mahira enregistre tout. Karina vient là, elle demande à Mahira de partir sinon elle va appeler la sécurité. Mahira lui dit qu'elle va partir. Elle veut juste qu'on lui accorde le temps pour qu'elle dise ce qu'elle a à dire pour le bien de Kritika. Elle ne peut pas épouser une personne malhonnête comme Prithvi. Karina accepte et elle prend son portable. De l'autre côté, le prêtre demande à Prithvi et Kritika de se lever c'est le moment de faire les tours du feu sacré. Quand ils se lèvent et décident de commencer les tours, Mahira vient là et elle leur demande d'arrêter. Rishab lui demande pourquoi elle est revenue il décide d'appeler la sécurité. Maïra lui dit qu'elle va partir, mais elle veut juste leur révéler un secret sur Pridvi. Il ne doit pas épouser Kritika. Rishab ne veut rien entendre. Prita leur demande de l'écouter d'abord. Il s'agit de quelque chose lié à la famille. Maïra dit à tout le monde que Karina tient son portable qui contient l'enregistrement des aveux de Cherline et la mère de Pridvi, qui accepte la liaison qui existe entre Cherline et Pridvi. Prita demande à Karina de donner ce téléphone afin qu'ils entendent cet enregistrement. Shrishti, de son côté arrive vers le docteur Roshni, elle lui dit qu'elle veut son aide. Shrishti lui dit qu'elle leur avait dit la vérité sur Sherline et Pritvi, elle veut qu'elle vienne avec lui pour arrêter son mariage avec Kritika qui est en cours, parce qu'il ment à tout le monde. Le docteur Roshni lui dit qu'elle n'a pas de temps pour ça, elle doit s'occuper de ses patients. Shrishti insiste pour qu'elle vienne sauver une femme comme elle, sa vie pourrait être gâchée. Le docteur Roshni accepte, et lui demande ce qu'elle doit faire. Chez les Loutras, Prita joue l'enregistrement de Mahira, ça dit autre chose. Mahira devient confuse et vérifie son téléphone, Cherline rit. Sherlyn se souvient avoir arrêté l'enregistrement quand la mère de Pritvi était entrée. Mahira dit à tout le monde que c'est Cherline qui a gâché cet enregistrement. Elle en est sûre. Cherline demande à Rishab pourquoi il ne fait rien. Rishab appelle la police. Maïra vient vers Kritika et lui demande de comprendre que Prithvi n'est qu'un malhonnête. Cherline aussi n'était pas enceinte de Rishab. Kritika se fâche et lui donne une gifle. Karina demande à Cherline de jeter Maïra hors de cette maison. Prita se dit qu'elle espérait que Maïra allait montrer le vrai visage de Prithvi et Cherline, mais elle a échoué. Shrishti de son côté appelle Jan qui pour lui demander si le mariage s'est déjà produit. Janki qui commence à la gronder au paix être tombée enceinte, Samir lui demande de se calmer, c'était un malentendu. Shrishti demande à Samir pourquoi il avait dit ça quand elle lui parlait. À la maison, ils arrivent au niveau de Vermillon, le prêtre demande à Prithvi d'appliquer cela sur Kritika. Dès que Prithvi était sur le point de le faire, Prita crie d'arrêter. Tout le monde lui demande pourquoi elle arrête tout, elle dit qu'ils ne doivent pas ignorer les paroles de Mahira comme ça, ils doivent enquêter pour savoir si c'est vrai ou pas. shrishti arrive là également avec Samir et le docteur Roshni. Karina gronde Prita, Prita lui dit qu'elle veut juste que tout soit mis au clair avant de continuer. Shrishti se tourne vers le docteur Roshni et lui fait signe de parler. Le docteur Roshni dit à tout le monde qu'elle connaissait Prithvi et Sherline depuis le collège. Charline crie que c'est faux, c'est sûrement Mahira qui l'a payé pour dire des mensonges. Charline lui fait signe qu'elle peut kidnapper son enfant. Le docteur Roshni devient effrayé. Elle dit que Charline a raison, c'est Mahira qui l'a payé. Elle est désolée, elle ne peut pas faire ça. Elle se lève et s'en va. Shrishti est choquée. Prita de son côté se demande ce qui va lui arriver dans le futur. Sarla lui dit qu'elle aura le bonheur car elle a assez souffert. Karan vient là, Sarla joint sa main avec Prita, leur disant de construire leur vie. Prithvi applique enfin le vermillon sur Kritika, Sarla leur dit qu'ils doivent maintenant faire à plusieurs défis, mais ils doivent travailler ensemble pour sa nouvelle vie. Trois mois plus tard, Prita et Karan dorment dans leur chambre. Le réveil sonne, et ça réveille Prita, elle demande à Karan de se réveiller, elle avait promis de l'aider au préparatif d'un certain truc. Karan refuse de se réveiller. Prita se fâche et lui dit qu'elle n'aurait pas dû croire à ses promesses, il ne fait que mentir. Raki de son côté entre dans la chambre de l'enfant, elle pleure. Kritika vient là et lui demande pourquoi elle est toujours triste, ça fait déjà trois mois depuis que cela s'est produit, et elle vit toujours dans le passé. Kritika lui demande de vivre dans le présent, Dieu sait la raison pour laquelle il a permis cela, elle doit vivre dans le présent. Kritika lui demande de venir avec elle en bas. Cherline se prépare dans sa chambre. Karina vient là et lui dit qu'elle est très magnifique. Elle lui dit qu'elle va l'attendre pour qu'ils aillent toutes les deux ensemble au rituel. Prita de son côté fait quelque chose au couloir. Karan vient là et commence à l'admirer. Prita devient nerveuse et perd l'équilibre. Karan la tient en lui disant qu'il savait qu'elle allait tomber. Prita lui dit qu'elle a perdu l'équilibre à cause de lui. Karan lui dit qu'il ne peut pas laisser la mère de son futur bébé tomber, bientôt cette famille aura une bonne nouvelle à fêter. Prita lui dit que le prêtre est déjà venu, les deux vont au temple. Tout le monde vient au temple et ils commencent certaines cérémonies avec le prêtre. Après avoir fini tous les rituels, tout le monde souhaite joyeux anniversaire à grand-mère. Grand-mère dit qu'ils lui ont rappelé son père, c'est comme ça qu'elle célébrait ses anniversaires quand elle était dans la ville natale. Elle demande à Prita comment elle a su tout ça. Prita lui dit qu'elle a parlé à son ancienne amie. C'est elle qui lui a dit tout ça. Grand-mère dit que Karan a épousé une femme merveilleuse. Elle prend soin de tout le monde. Grand-mère dit qu'elle est heureuse que Prita lui ait donné beaucoup de bonheur et elle appelle Prita pour couper le gâteau avec lui. Sherline est complètement choquée car elle pensait qu'on allait l'appeler pour ça. Après avoir mangé le gâteau, ils mettent la chanson préférée de grand-mère et ils dansent. Sherlyn demande à Karina pourquoi on a seulement félicité Prita alors qu'elle avait aussi fait quelque chose. Kritika l'entend et lui demande de ne pas se sentir mal, si elle avait réellement aidé Prita elle doit être heureuse si on la félicite. Après ça, Karina demande à Prita d'aller prendre un cadeau dans sa chambre, Prita commence à marcher et elle s'évanouit. Tout le monde devient inquiet pour elle, et on lui asperge de l'eau. Elle leur demande pourquoi ils sont inquiets, elle va bien. Raki lui demande ce qui s'est passé, elle leur dit qu'elle s'est sentie faible, raison pour laquelle elle s'est évanouie. Elle dit que c'est sûrement parce qu'elle n'a pas mangé depuis le matin. Prita se sent bizarre et elle court vers la salle de bain pour vomir. Grand-mère et Raki se regardent, elle sourit. Karan ne comprend rien, les deux lui disent qu'il va bientôt être père. Sherline est totalement choquée par cette nouvelle, Karan est aussi étonnée. Raki et grand-mère leur expliquent les symptômes que Prita présente, prouvent qu'elle est enceinte. Karina est également heureuse et elle serre Karan dans ses bras. Grand-mère félicite Raki, en lui disant qu'elle va aussi devenir grand-mère bientôt. Raki et grand-mère de propager cette nouvelle, Raki décide d'aller le dire à Sarla. Kritika est heureux, elle décide d'aller le dire à Pritvi, grand-mère décide d'aller le dire à Mahesh. Prita leur demande d'attendre d'abord qu'elle fasse le test, Personne ne veut l'écouter. Raki part chez Sarla, Jan qui est étonnée de la voir à la porte. Elle demande à Jan qui si elle ne va pas lui dire d'entrer, Sarla est aussi étonnée de la voir. Elle leur dit qu'elle est venue leur dire un problème à propos de Karan et Prita. Sarla, Shrishti et Jan qui deviennent confuses et se demandent ce qu'il y a. Raki commence à tourner autour du pot, en leur parlant comme s'il y avait des tensions entre Karan et Prita, cela les rend inquiètes. Elle commence ensuite à rire, et elle leur dit qu'elle est venue dire à Sarla qu'elle va bientôt être grand-mère. Elles deviennent tous heureux. Sarla serre Raki dans ses bras et commence à pleurer. Elle dit qu'elle va apporter des bonbons. Raki lui dit qu'elle les a déjà apportés. Elle leur demande de venir. Ils vont célébrer l'anniversaire de grand-mère avec cette nouvelle en même temps. Sarla lui dit qu'elle allait venir même si elle ne les avait pas invités. À la maison Loutra, Grand-mère fait porter un truc à Prita. Karan lui demande ce que c'est, grand-mère lui demande de se taire. Elle lui dit qu'elle va la punir si elle se moque de Prita. Karan dit à Prita qu'elle doit être heureuse pour le moment, ils feront le test plus tard. Sherline appelle Prithvi et lui dit que sa femme préférée est enceinte. Prithvi lui demande de ne pas plaisanter avec lui, il est à Dubaï depuis la première nuit de son mariage avec Kritika, et ils n'ont rien fait. Sherline lui dit qu'elle parle de Prita. Kritika l'appelle aussi et elle met Cherline en attente. Kritika lui dit qu'elle a une bonne nouvelle à lui dire. Prithvi lui dit qu'il sait que Prita est enceinte. Kritika lui demande comment il le sait. Prithvi lui dit que lui et Rishab sont à Dubaï. Seul Karan est là-bas. Raison pour laquelle il a compris que Prita doit être probablement enceinte parmi eux. Kritika lui dit qu'il est vraiment intelligent. Pritvi mais aussi critiqua en attente et rentre vers sa conversation avec Cherline. Les deux commencent à se disputer. Shristi de son côté appelle Prita, elle ne répond pas. Sarla coupe cet appel et lui dit qu'elle est impatiente d'aller rencontrer la fille à qui elle a donné naissance, qui à son tour va aussi être mère. Elle leur demande de fermer toutes les portes, elles doivent partir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce que Prita est vraiment enceinte Si vous voulez la suite. Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus ou @zimagiqueactu Actu sur Facebook, Instagram et TikTok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.